position with 117 points and we're scheduled for the run tomorrow morning at 9:30. On a atteint 100 km/h sur un peu plus de 100 mètres. On n'a pas trop poussé, mais juste pour voir si tout fonctionnait bien. Et du coup, maintenant, on fait les dernières préparations pour être complètement prêt pour faire demain le même test, peut-être. Normally, tomorrow we will do the big tests. We will finally also charge from my side. We will charge the batteries fully. We will balance the cells, which will mean that we try to have all the cells at the exact same voltage. D'aller chercher le pod quasiment plus d'un quart de la distance du tube à l'intérieur pour pouvoir le ramener au point de départ pour pouvoir faire les différents tests, checking par rapport à la partie mécanique et batterie et autres. Donc 202 km/h sur un quart de l'espace disponible, ça augure de bonnes choses. Et puis en fait, comme aujourd'hui le rail n'était pas préparé pour ce test, le rail n'était pas nettoyé. Il y avait énormément de poussière et on a vu qu'on a pu passer le couple moteur, on a pu transmettre la puissance en fait pendant les premiers mètres. Mais après, en accumulant de la poussière sur la roue qui nous propulse, on a fini par glisser un peu. Et ça a abîmé en fait le revêtement en polyuréthane qu'on a sur notre roue. Le rail, il y a beaucoup de poussière dans le tube, il y a vraiment beaucoup de poussière sur le rail. L'interrogation qu'on a, c'est est-ce que la roue risque de patiner ou pas. Peut-être certains endroits où le rail est très sale, on va patiner, donc perdre de la vitesse d'accélération et puis perdre de la distance d'accélération par rapport au modèle de calcul de distance d'accélération. Où est-ce qu'on réduit un peu ça pour garantir qu'on ne patine pas? Alors c'est très intéressant parce qu'il faut essayer de gagner évidemment, mais pour gagner il faut vraiment se soumettre à des contraintes en prenant des risques calculés, pas trop parce qu'autrement on risque de se louper. Et c'est dans ce contexte-là que c'est vraiment un projet de recherche d'ingénierie vraiment excitant.